Voilà encore les stigmates d'Irma. Une maison en fond de mer. Vous allez faire super gaffe. Super gaffe. Au niveau des clous. Tu jauges si c'est... J'ai l'impression d'explorer. Comme on voit sur YouTube. Des gars qui visitent des maisons abandonnées, etc. Waouh! Ah, tu recules? Tu recules. Là, tu peux pas. Là, on peut pas. Il y a un fossé immense. Donc, il y aura forcément un autre endroit. Là non plus, tu pourras pas, Vincent. Viens, on fait le tour. Même la piscine s'est renversée, s'est retournée. Ouais, ça va être joli cette marque. Cumulus. Levez bien vos pieds. Hein. Groupe électrogène. Incroyable. Attendez-moi. Non mais on attend maman ou pas là? Vous ne touchez à rien. Il pourrait y avoir du jus, etc. Vous ne touchez à rien. On peut pas passer par là? Si, mais il n'y a pas de lumière, donc on voit rien. Alors je vais mettre la lampe torche. Je suis pas sûr, mais il y a une porte et là, ça... Non, ça c'est un KGB. On a l'impression que ça a été fait hier. C'est bien, vous ne pouvez pas ouvrir un petit là. Ah, là. Là, c'est un placard. Ah, là, il y a les documents. Ah, mais tu vois qu'il y a un... Regarde, il y a même des maisons bordées. Maman, elle reste au bateau? Oui, elle a dit. Ah, elle a dit, d'accord. Ah, ben alors, si elle a dit. Oh, wow. Ça, c'était la piscine, ça. Faites attention aux morceaux de verre par terre. En somme, un début de piscine. Non, ça, je pense que c'est le reste. Ouais. Ah, elle devait être somptueuse, cette maison. Quand on voit la vue. Elle était bleue, mais... Non, mais en fait, il y avait une porte qui était fermée après. Oh. Oh, du. Oh, quelle puissance! Non, mais quelle puissance! Non, mais imagine-toi! Pour déplacer tous ces murs! Hein? Vous entendez? C'est qu'il y a un bateau! Ne touche à rien. Je t'ai dit de ne toucher à rien. Il y avait même un bar. Irma, t'es regarde. Hey. Depuis quand? C'est Irma qui a formé ce truc. Incroyable. C'était luxueux. Qu'est-ce que c'est ça?
certificat Lighthouse Bay. Quelle tristesse. Regarde, il y a même un coffre-fort qui a été ouvert. Voilà. Non, je pense qu'ils ont dû partir en courant. Sachant que nous sommes aujourd'hui le mercredi. On est quand aujourd'hui? Mercredi 14 juin. Et bien mercredi prochain, il y a le premier déclenchement du cyclone qui vient du large de l'Atlantique. Il se trouve actuellement au milieu de l'Atlantique. Faites très attention, s'il vous plaît. Bureau, ordinateur. Oui, ça devait être. Regarde, il y a d'autres. Ils ont été forcés. Et il y a d'autres bâtiments. Ouais, ça devait être un petit complexe. Oui, c'était un complexe. Mais tout est verrouillé là. Vincent. Ils sont en quel état? Il y a même un ponton privé. Elle est incroyable cette maison. Ouais. C'est pas une maison, c'est un complexe. Doucement. Est-ce qu'on aura accès? Ah oui, tout a été dépouillé là. Oh là là. Tout a été débranché. On voit que c'était du joli quand même. Ah oui. Faites très attention. Hein. Ah, tu vois, on ne peut pas aller plus loin parce que c'est la bâtisse, c'est la terrasse qui s'est effondrée tout à l'heure. Là. Allez, on ressort. Oh là là. Si ce n'était qu'une fissure. Je pense que l'assurance aurait marché, mais là... Allez, vas-y, Océane. Et là, ça fait un... Et là, ça fait un petit peu le coup pour l'assurance, effectivement. Regarde, regarde, un tiroir. Un tiroir. Ils ont dû connaître l'enfer au paradis, ici. On n'arrive pas à s'en rendre compte, mais il faut vraiment le voir de ses yeux. Ouais. Incroyable. C'est incroyable. On en vient au CERN. Des batteries en veux-tu, en voilà. Ça, je sais même pas ce que c'est. Ah si, ça doit être un... C'est une pompe. Un quoi? Ah non, c'est un compresseur. Un compresseur. On pourrait presque, je pense, remplir les bouteilles de plongée. Un groupe électrogène, un autre groupe électrogène qui est en très bon état. Hein. En très bon état, incroyable. Ça. En plus, il y a les batteries. Ah, et ça, c'est un groupe électrogène. Une disqueuse de folie.
maison incroyable et les dégâts incroyables. Ouais, c'est vrai. On n'a même pas pu faire la clairance parce qu'il y a tellement de vent. Comme tu peux le constater, on n'a pas pu rentrer dans le lagon avec l'annexe parce que ça devenait trop dangereux. Et là, il y a 17, 20, 22 nœuds de vent. Et on file à 6-7 nœuds de vent là. Fait cap au 187 pour rejoindre, on va rejoindre Joli Harbour à nouveau pour qu'on puisse faire la clairance de sortie. Et le programme, c'est que nous partirons sur D dans quelques jours pour aller à nouveau à la marina du Bas du Fort en Guadeloupe pour faire une modification au niveau du taux de soleil. On va faire je vais faire quelque chose de rigide et plus large parce que là c'est on se prend le soleil en permanence, les instruments de bord sont en permanence au soleil, donc je souhaiterais faire quelque chose de plus sympa. Mais là ça y est, on n'est plus à l'abri du de la langue de dunes de sable, et là on va avoir des creux grosso modo de 1,50 m à 2 m. On a le vent, pas le vent de serré, mais large serré. Hein. Voilà. Ça va être sportif. Et il y en a pour 5 heures. 5 heures de nave. Mais ça va. Zipper se comporte bien. Il avance et il bouffe les milles comme il faut. Ça va Vincent ? Ouais. Et vendredi 16 juin, nous venons de quitter Joli Harbour parce qu'il y a une onde tropicale. Windy nous informe qu'il peut y avoir une onde tropicale qui pourrait s'abattre sur Antigua. Waouh, t'as vu les creux là ? Et donc nous allons partir sur Joli Harbour, faire la clairance de sortie pour après aller demain à DE et nous allons descendre sur la Dominique puis la Martinique. Et on va aller sans doute par la suite aux Grenadines. Mais c'était pour vous montrer également ça. Parce que c'est quand même... nous avons une houle de face. Je sais pas si ça se voit, mais c'est relativement impressionnant. Il y a 16 nœuds de vent, on marche bien, 5 nœuds, et on a le vent à 60 degrés du vent. Donc si Pearl marche bien, 6 nœuds là, vitesse, et c'est des sacrés creux. Et là donc on va contourner, c'est au fond, pour nous mettre ici. Donc là on a mis toutes les voiles. Et on dit au revoir à Antigua. Aujourd'hui, samedi 17 juin, nous sommes partis ce matin à quelle heure ? 9h. À 9h ? On est de English Harbour. Ah oui, English Harbour. À force de faire plusieurs étapes chaque jour, on en perd les endroits où on s'est arrêté. Donc, English Harbour, on a fait notre clairance de sortie. Et donc on est parti à 9h et nous faisons cap sur D où nous ferons notre clairance d'entrée. Et là les conditions de mer sont parfaites parce que nous avons 16 nœuds de vent apparents. Nous sommes sous Jennaker, vent de travers. Et on file actuellement à 7 nœuds et demi, 8 nœuds.
Et nous avons fait même une pointe, la montre Garmin a enregistré, je ne sais pas si on la voit, une pointe à 9,96. Là on fait du 7,2, 7,3 et elle a enregistré 9,6 avec 17 nœuds de vent. C'est waouh, on n'a jamais fait autant. Donc ce qu'on voit derrière, c'est Antigua et on voit déjà apparaître la Guadeloupe. Et là, sur notre tribord, c'est Montserrat, l'île de Montserrat. Ça va, Nounou? Ouais, t'es content toi quand on va vite, hein? Lui, il est content, hein? Ça va, Kiki? Oui, ça va. Eh bien, Kiki, qu'est-ce qu'elle fait là? Ah, le code Viagnon. Permis côtier. Elle le bûche. En espérant qu'elle va le passer et qu'elle passera surtout le CRR. Parce que c'est pour moi indispensable. Voilà, donc il nous reste grosso modo 4 heures pour arriver à D, rejoindre nos amis. Et on va partir assez rapidement parce que le lendemain on va aller soit à Bouillante, soit un peu plus au sud. Parce que nous avons réservé une place au port à Bas-du-Fort pour une nuit, dans la nuit de lundi à mardi, où je vais recevoir des plaques, deux plaques pour remplacer le taux de soleil. Et là, je souhaite des plaques rigides. Donc ça va être top. Et on va faire surtout beaucoup plus large. En somme, je veux que ça arrive ici. Parce que tous les instruments, ils sont exposés tout le temps au soleil. Donc, c'est pas cool. Ah, donc, grande voile, hissée jusqu'en haut, et le Jenek. Quand je dis que cette voile, elle est super, elle est vraiment super. Et si Pearl, mais il fonce, c'est gras, c'est dingue. Là, on est à 8,5. Il file, ça fait vraiment plaisir à voir. Et il y a bien des creux, hein. Je dirais des creux entre 1m20 et 1m50 de creux, hein. Là, elle est belle celle-ci. Waouh. Lagoon 400, 380 sont des caravanes, hein, parce que quand les voiles sont bien réglées et qu'on a les bonnes voiles avec les conditions de mer qu'il faut et de vent, c'est super, on s'éclate. Les creux sont incroyables. Si Pearl s'enfonce dans les vagues pour remonter à la surface. Et pourtant, il n'y a que 20 nœuds de vent. On a mis les moteurs du fait qu'on est pile poil 20 vent de face. On a le vent dans le nez. On est à 4,5. 5 nœuds. Mais il y a des sacrés. Il y a des embruns. Des sacrés creux.
Mais là, c'est... Et encore, ça s'est calmé. Mais c'est le gros grain. Comme tu peux le voir, c'est incroyable. Et pourtant, il y a peu de vent. Mais une pluie qui tasse la mer, la houle de la mer. On s'en est pris des vagues. Et surtout, de l'eau. En veux-tu, à voilà. On est parti donc dès ce matin pour fuir le cyclone qui est pour... Donc nous sommes dimanche, pour samedi prochain, il y a un cyclone au dire du modèle européen qui devrait frapper la Guadeloupe et le nord de la Martinique. Donc là, nous allons à bas du fort récupérer du matériel pour faire le taux de soleil et on file dès lundi soir ou mardi matin au plus tard pour direction la Martinique, sans doute Fort-de-France, pour après faire une autre étape à Sainte-Lucie, donc soit au nord de Sainte-Lucie ou au sud de Sainte-Lucie, à confirmer. Mais bon, là ça s'est quand même nettement calmé, mais c'est incroyable, j'ai dû affaler la grande voile. Un peu en catastrophe, mais si Pearl se comporte superment bien, franchement il se comporte très bien même, je dirais. Je suis content. Ouh, des émotions. Ben, nous voilà partis du bas de fort où nous sommes mis à l'abri pendant 4 jours du cyclone Brent, où il n'y a eu quasi rien. À 5h30 du matin, il y a eu 35 nœuds de vent, donc on était bien à l'abri, on avait bien tendu les amarres, donc pas grand chose. Mais là, nous sommes le samedi 24, ouais, c'est ça, et voilà, on est en plein, on a l'impression d'être dans un mois de mousson, une mer plate, mais plate dû à la pluie, et il y a des gros grains, donc on a dû affaler, j'ai dû prendre 2 riz et on est au moteur, donc c'est pas jojo. Voilà, et on a dit au revoir au voilier Hélène, fort sympathique, et on s'est promis de se revoir un peu plus dans le sud. Et aussi on a vu Red Bean, Eric, si tu vois la vidéo, je te salue, ça a été une belle rencontre également. Les vagues sont le plus aplaties. C'est incroyable. Je pense que sur la caméra ça peut pas se voir, mais on a des creux, mais incroyable. Il y a bien 2 mètres, voire 2 mètres 50 maintenant de houle. Et on est toujours au cap 182 et on fait du 6, 5, 7 nœuds de vitesse. On a un vent réel à 20 nœuds. Il y a un bateau au large, un voilier. Alors, il n'a pas de transpondeur, donc je ne peux pas savoir qui c'est. Mais on remonte super bien. Donc là, il nous reste 3h30 grosso modo. Et on a toujours, et c'est ça qui est incroyable, on a toujours un fond de 22 mètres de fond. Et ça, presque tout le long.
vu le reflet.